Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir toutes les nouveautés de la mise à jour qui est sortie le 15 février, mardi, vers 11h, comme d'hab. C'est une mise à jour de 2 Go. Je crois qu'elle est pas très grosse et pas très incroyable. On va essayer de tout regarder et puis c'est parti. Déjà, je me connecte à mon jeu et je récupère plein de trucs. J'ai récupéré un style pour les joueurs de basket. J'en ai que un, donc c'est pour ça que j'ai que lui. Donc, c'est un style NBA All-Star 2022 en rouge. Et je vais pas vous mytho, je m'en fiche. Ensuite, on a tout l'ensemble de ce skin en version. Ah non, pas que ça. En fait, c'est que pour la fille. Ça se fait pas en vrai. Du coup, il y a la pioche. Parce qu'en fait, j'ai tout l'ensemble. L'ensemble comme ça, là, j'ai tout. Et du coup, le skin mec n'a pas de variante. C'est que le skin femme. Voilà. Comme par hasard, il y a des préférences. Les skins mecs n'ont jamais les mêmes customs. Du coup, on a la pioche déjà qui est assez stylée, mais je vais pas vous mytho, j'aime pas trop cette pioche. Le skin Kuno, voilà, les graphismes sont un peu bizarres. En vrai, j'aime bien, mais du coup, le skin mec n'a pas de variante, c'est triste. Un petit sac à dos. Oh, attendez, c'est buggé ou quoi? Ok, du coup, comme ça. Ouais. Vous préférez l'ancienne ou la nouvelle? Attendez, regardez. La nouvelle, cheveux noirs, tenue blanche. Et l'ancienne, cheveux blancs, tenue bleue, un peu. En vrai, les deux sont bien. Et du coup, 300 V-Bucks qui viennent d'où? J'en ai aucune idée. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il vient ces V-Bucks. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Apparemment, il y a Kira qui est venue dans la boutique alors qu'elle n'était pas là à 1h du mat. Ça, c'est très bizarre. Dans la boutique du 15. Ça, on s'en fiche. Ce défi, j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour gagner le revêtement, le spray. Ouais, du coup, l'inverse. Le revêtement, le spray et la pioche. Ainsi qu'un émoticône. Parce que l'émoticône, là, on le voit pas, mais il y a un émoticône à gagner. Et les masques, on s'en fiche. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux modes de jeu par hasard dans la nouvelle mise à jour? Je ne pense pas. On va regarder. Bah, il y a les trucs Saint-Valentin, mais on s'en fiche. Dans les défis, s'il y a des nouveaux trucs. Ah, je vois un truc en bas. Déjà, les défis comme ça, on connaît, c'est les normaux. Défis de saison, je les ai même pas faits. Défis d'étape, pareil. Ah, ben, bah, j'ai peut-être gagné 300 e-bucks avec ça, non? C'est peut-être ça. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Objectif coup de pompe et bonus or massif. Ok, bah nouvelle quête les gars, or massif, on s'en fiche. Sur la map, rien n'a changé. Dans la collection des personnages, j'ai pas les trois derniers. Si vous savez qui c'est et où ils sont, ça serait très sympa. Et les poissons, j'aime pas pourquoi je regarde les poissons, il n'y a pas de nouveaux poissons. Ok, passe de combat, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Compétition, il y a la FNCS. D'ailleurs, regardez comment c'est grave stylé. Le fond, il est trop beau, je trouve. Du coup, la FNCS qui sera bientôt, il y aura plein de récompenses. Je vous ferai une vidéo. Ah ouais, regardez, c'est trop stylé. Ok. Dans le casier, tout marqué comme vu. Ok. Donc, si j'appuie là, tous les items, ils vont s'enlever. Je pourrais tester, mais vas-y, on va tester. Ok. Donc, si vous avez plein d'items, ça enlève. Au lieu de cliquer directement. Et du coup, c'est quoi? C'est ça qu'ils m'ont donné? Ok, ils m'ont donné la musique de Sauver le Monde, d'accord, pourquoi pas. On avait gagné quoi d'autre, je m'en rappelle plus. Ah oui, il y avait des customs de skins. Mais ils s'affichent pas là, malheureusement. Il s'appelait comment? C'était Kuno, je crois. Ah, voilà. Il n'y a même pas le petit plus encore, c'est bugué. Du coup, en blanc, briseuse de Blizzard. Ok, très très stylé. Je vais mettre la pioche quand même avec. Je sais pas comment elle s'appelle par contre. Donc on va regarder à la main, si je la vois. C'est une pioche verte, non? Non. C'est pas elle? Mais elle ressemble un peu à elle. Ah bah là, je vais mettre 3 ans à la trouver, les gars. C'est pas de ma faute. Elle est là. Ok. En blanc. Très stylé. On va mettre un petit planeur aussi. Hop, en blanc. Ok, du coup, dans la boutique d'objets, on a Kira, je crois. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. J'en ai aucune idée. Elle était pas là dans la boutique d'aujourd'hui. Mais bon, ils se sont dit, je pense. C'est vrai que c'est un skin Saint-Valentin. Donc, on va le mettre. On s'est un petit peu trompé. Du coup, le pack Poiscaille que j'ai eu pour 100 V-Bucks, les gars. J'ai eu les 4 trucs là pour 100 V-Bucks. Allez voir ma vidéo boutique. Je vérifie quand même s'il y a des nouveaux trucs. Le petit skin Focus qui ressemble quand même au skin Kuno en vrai. Et normalement, il n'y a rien d'autre. On vérifie quand même, mais. Ok, normalement, c'est bon. Du coup, on va s'acheter le petit skin Kira. On va regarder quand même à l'unité. Déjà, le skin de base, je le trouvais grave stylé. Mais alors, la nouvelle custom. Ah, on voit pas. La nouvelle custom. Pop, pop, pop. Ultra stylé, en mode Ariana Grande. Le sac à dos, je vais pas vous mytho, pardon. J'aime pas. La pioche, qui a aussi une custom. Oh, pas mal.
Et du coup, le planeur, il est vraiment moche. Mais du coup, bah, s'il est dans le pack, j'ai pas le choix d'acheter. Ok. Bah, du coup, c'est parti pour acheter le pack. 1700 au lieu de 2500. Ok. Très stylé. Évidemment. Avec le code NSQ dans la boutique. Hop. Évidemment. Bon, je l'ai déjà mis, donc je le remets quand même. Oh, du coup, là, si j'appuie sur marquer comme vu, il y a tout qui se met. Oh, stylé. Bah, du coup, je vais jouer avec le planeur. Hein. Hop. On va mettre la pioche aussi. Faut que je mette tout l'ensemble. Le sac à dos, je vais pas le mettre. Je vais pas vous mytho. Merde. Il est où? Il est là. Je vais pas le mettre. Et le skin qui est ici. Il est grave stylé. Mais c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, mais qui mettent, comment dire, qui mettent un skin dans la boutique comme ça. Bon, c'est bugué par contre là. On va choisir. Oui. Je voulais choisir le mode de jeu. Comment on choisit le mode de jeu? Contrôle parental, crédit, assist. Comment je fais? Là? Non, fermer Fortnite. C'est quoi ça? Comment je change le mode de jeu? Attends, what? On peut plus? Je peux pas aller dans Sauver le monde. Ah, peut-être depuis là? Attends. Ah, c'est comme ça qu'on fait maintenant? Si j'appuie là? Attends, les gars, je suis perdu. Oh, je suis choqué. Comment on fait? J'allais choisir le mode de jeu, tu vois? Comme quand on veut aller dans Sauver le monde en créatif et je pouvais pas. Peut-être que maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, bon, on va tester. On va tester. Hop, ça charge. Par contre, si c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, en vrai c'est cool, mais bon, je sais pas. Et ça serait bien qu'on puisse jouer à Sauver le monde en mode performance. Dites-moi si vous avez ce problème, les gars. Alors, attention, ça charge. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer les autres. Oh, un cadeau. Je vais vous montrer les autres nouveautés peut-être après. Ah bah du coup c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ils nous ont donné la piste musicale. Ok. Pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'elle existait déjà. Du coup on n'a pas des nouvelles quêtes de sauver le monde? Non. Ok. Et du coup maintenant, si je veux qui était sauver le monde. Et je comprends pas. Si je fais ça. Si je fais quitter sauver le monde, il se passe quoi? Ah, ça me revient dans le Battle Royale direct. Ok. Ah, pourquoi pas. En tout cas, voilà. On a découvert toutes les nouveautés. En vrai, c'est pas mal. En vrai, j'aime bien. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire, les gars, c'est très important. Et code créateur NSU dans la boutique Fortnite pour m'aider. Merci beaucoup. Hop, on peut même l'écrire en majuscule. Et c'est gratuit. Ciao!